huitième jour en Corée, ouais, dernier jour à Busan, puisque ce soir on prend l'avion pour Jeju. Et donc ce matin, temple de Sangwangsa, alors toujours une prononciation de fou, hein. Gros coup de cœur. Je vais vous mettre des vidéos. Et gros coup de cœur aussi pour les petites mamies qui avaient un peu partout dans les temples en fait, où elles rentrent pour prier, etc. Et donc j'ai pas pu filmer à l'intérieur parce que c'est des endroits de prière, hein, donc on respecte. Mais c'était magnifique l'intérieur, enfin, plein de statues, plein de tapisseries, de trucs, enfin, magnifiques. Et plein de petites mamies très gentilles qui nous faisaient rentrer à chaque fois pour qu'on vienne prier avec elles, etc. Donc trop mignon, gros coup de cœur pour ce temple à Busan. Et du coup hier on n'a pas trop vlogué parce que hier après-midi on est tombé... Oh, vous êtes français. Oh, incroyable. Voilà, voilà, reconstitution de ce qui s'est passé, hier après-midi en fait au temple Bomosa. Voilà, et donc on est tombé sur Cyril, un français du coup en trip solo. Yes. Du coup on a fait le temple avec lui hier et on est allé manger barbecue hier soir, c'était super sympa, très bonne expérience de barbecue avec plein de banchan, etc. Donc on s'est régalé et du coup ce matin on s'est retrouvé pour ce temple là. Donc voilà, c'était super cool. De toute façon je vais vous mettre plein de vidéos et d'images du temple et à plus pour la journée qui va continuer. Je sais pas exactement ce qu'on va faire cet après-midi, mais on verra bien. Allez, à toutes.